Salut les gars, on se retrouve pour un nouvel épisode de la Carrière Manager avec Manchester City. Donc déjà, pour vous dire, s'il n'y a pas eu de vidéos en ce moment, c'est parce que niveau santé les gars, ben c'est pas le tip top, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de... T'as vu, je suis enrhumé comme ça, bref, c'est un petit peu galère au niveau de la santé en ce moment. Du coup, je préfère prendre plus de repos et faire moins de vidéos pour revenir un petit peu plus fort. Mais voilà, il faut quand même faire des vidéos pour pas se faire oublier. Du coup, dans cet épisode, les gars, on va jouer contre Liverpool. Match très important de championnat. Ils sont troisième, on est deuxième. Match à ne pas rater. On a le début en Ligue des Champions contre Rosenborg. D'ailleurs, je vous présente du coup le groupe pour la Ligue des Champions. Rosenborg. On a, je crois, c'est Salzbourg et non le Leipzig. Et on a le Sporting CP, trois équipes qui sont clairement pas à notre niveau si c'est bien Salzbourg. Parce que si c'est le Leipzig, j'ai peut-être un petit risque de perdre contre le Leipzig, on verra bien. Et on terminera l'épisode, les gars, contre Sheffield. Une équipe à pas sous-côté. Clairement, équipe à ne pas sous-côté qui peut faire la différence. Comme ça, prochain épisode, Tottenham, deuxième match de Ligue des Champions et les Wolves. Troisième épisode, on aura United, Sporting CP et Southampton. Donc en vrai, à chaque match, enfin à chaque épisode, on aura deux gros matchs. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce début de vidéo. On va faire bien sûr la fin du mercato. Normalement, on n'a plus personne à acheter, plus personne à vendre. Si tout se passe correctement, à moins qu'on ait une offre de 250 millions pour un joueur qui ne sert à rien, mais bon, ça m'étonnerait. Du coup, ce qu'on va faire. On va se retrouver juste avant le match contre Liverpool. On fera la composition ensemble. Et puis, on se retrouve tout de suite. Bon les gars, du coup, on est parti pour ce match contre Liverpool. L'objectif, il est bel et bien simple. C'est la victoire. On n'a pas le droit au match nul, pas le droit à la défaite. C'est la victoire ou rien, tout simplement. Donc, on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, on a la grosse équipe, ils ont aussi la grosse équipe, elle n'a pas changé, il y a toujours du Mané, il y a Keita titulaire, il y a Arnold, Salah, Firmino en pointe. Ils ont une belle équipe, hein. Ils ont une belle équipe, mais bon, on devrait sur le papier normalement être un petit peu supérieur. De toute façon, on a l'habitude de battre les gros clubs assez facilement comparé aux petits, et on a la roulée de Gabriel Jesus. Oh là 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 là, l'arrêt d'Alisson en ce début de match, ça commence déjà très 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 bien pour nous, très bel arrêt en tout cas d'Alisson. Oh là là, et un penalty, et penalty, il s'est passé quoi? Je voudrais bien un replay là par contre, monsieur l'arbitre. Parce que, ouais, il n'y a pas faute. Donc, est-ce qu'il y a une main? Est-ce qu'il y a une main? C'est ça la question. C'est est-ce qu'il y a eu une main de Firmino envers Neymar? Il a mis un coup de coude, mais. C'est un petit peu sévère, je pense. Je pense que c'est un petit peu sévère. On va faire tirer De Bruyne dans la lucarne. Il y a moyen qu'elle rentre. Hein. Il y a tellement moyen qu'elle rentre pas. Non, mais tout va bien, tout va bien. Allez, Rodri. Rodri pour M. Sterling. Sterling qui va aller chercher De Bruyne. Qui va aller chercher Sterling. Oh là 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 là. Non, Sterling. Non, Sterling. C'était donné. La vérité, c'était donné comme but. Allez, Rodri. Rodri pour Jesus. Jesus qui va rechercher Lodi. Non, c'est Rodri, pardon, pour De Bruyne. La frappe de De Bruyne. Largement au-dessus. Oh là là, la récupération. Ça, c'est une récupération 5 étoiles, ça. Parce que là, là, il y a action de but avec Rodri. Non, Alisson, mais laisse rentrer la balle. Laisse rentrer la balle. Qu'est-ce que t'as à perdre par la première place au championnat? Rien, laisse-la. Laisse-la rentrer cette balle. Les mecs, ils m'arrêtent toutes mes balles. Là. Allez, celle-là, il va pas l'arrêter. Moi, je vous le dis, celle-là, il va pas l'arrêter. Celle-là, il va pas la... Ok, là, c'est Robertson, c'est pas Alisson. Ça rentrera jamais. Gabriel Jesus, allez, accélère Jesus, ça passe. La profondeur pour Dybala. Allez, Dybala. Allez, Dybala. Allez, Dybala. Et oui, le 1-0, les gars. L'ouverture du score de Paulo Dybala. Pour le 1-0. Il vient régaler. Il célèbre ça avec les supporters. Il a raison. Parce que si les Wolves, ils font match nul ou perdent leur match, on peut reprendre la tête du championnat en cas de victoire contre Liverpool. Et Dybala qui vient encore une fois briller dans ce match. Lui, déjà dans l'épisode précédent, qui nous avait sauvé de la défaite contre Arsenal. Et bah ben là, c'est très très bien joué de Dybala qui vient ouvrir le score dans ce match très très serré pour le 1-0 et qui vient marquer son 6ème but en première ligue. Oh, attention, attention, peut-être égalisation du côté de Liverpool. Oh là là, je sais pas c'est qui a foncé dessus, je crois que c'est Ruben Dias. Hein, ouais. C'est bien Ruben Dias qui nous fait un match incroyable. Il a foncé dessus, il a pas eu peur. Attention, l'égalisation. Oh là là, l'arrêt d'Oblak.
Du coup les gars, on est à la mi-temps ici contre Liverpool, c'est le 1-0, on domine largement, on mériterait de gagner minimum 2-0 déjà contre Liverpool. Mais bon, c'est pas grave, on gagne 1-0, on va faire sortir Gabriel Jesus, on va faire entrer Gonzalez. On a besoin de quelqu'un de plus frais là au niveau de l'énergie, Gabriel Jesus qui ne s'en sort pas dans ce match. Tout comme Sterling hein, qui est très mauvais, il faudrait que je pense à mettre... Avec Mahrez sur le banc plutôt que Eden Hazard tout simplement. Et on va faire rentrer Foden à la place de De Bruyne qui n'est pas trop présent dans ce match. Donc en espérant que Foden bien sûr va faire la différence. Et du coup let's go pour la seconde période contre Liverpool. Neymar, Dybala, Luigi. Oh là là, ça la joue bien, ça la joue très très bien. Ça c'est beau. Allez Hazard, le but de Hazard contre Liverpool. Le 2-0 les gars. Le 2-0, le but de Eden Hazard. Comme quoi les changements ont payé. Les changements ont payé. C'est très bien joué. Le 2-0, le break est fait. Rien à dire, franchement rien à dire. Très très bien joué de la part de Eden Hazard. Et on a fait un très beau jeu collectif. Et là la défense de Liverpool qui a été prise tout simplement de vitesse hein. Un jeu juste incroyable de notre part. Et Hazard qui vient donc nous permettre de gagner 2-0 contre Liverpool. Vers Neymar. Neymar qui est tout seul. Neymar à la profondeur pour Gonzalez. Le 1v1 contre Alisson et ça passe. Oh là là, magnifique. Magnifique but de Gonzalez avec la passe D bien sûr de Neymar. A noter la passe D de Neymar qui était très très belle. Mais la frappe est d'une qualité, d'une précision les gars. Incroyable la frappe de l'Argentin. Qui nous permet de venir humilier Liverpool 3-0. La frappe, elle est juste magnifique, hein, les gars. Il n'y a rien à rajouter. Incroyable. 20 sur 20, la frappe personnellement de Nicolas Gonzalez, qui est juste incroyable. Attention à Mané, les gars. Attention à Mané. Peut-être la réduction du score du côté de Liverpool. C'est une possibilité, en espérant bien sûr qu'elle rentre pas et que Oblak nous fait un arrêt. Mais en tout cas, Thiago est passé. Oh là là, bien joué, Oblak. Bien joué. Fin du match, les gars, contre Liverpool, victoire, 3-0, Gonzalez qui a été élu homme du match, comme quoi le changement a payé tout simplement. Très bon match de Dybala, Gonzalez, Rodri a été très très bon aussi, Diaz seulement 6,9 alors qu'il a fait un match quand même d'une bonne qualité, même s'il a raté pas mal de tacles. Quand il fallait prendre la balle, il les a pris du côté de Liverpool, voilà, le match n'était clairement pas tip top, hein. Il était clairement pas top. On a les Wolves qui jouent contre Leicester, alors là j'espère que Leicester vont nous faire un match juste incroyable et battre tout simplement les Wolves, hein. Comme ça on récupère la première place. Tranquillou du coup, au niveau des commentaires, bravo, vous avez battu le leader et c'est une satisfaction pour vous, ça va nous redonner des ailes pour les prochains matchs. Alors, vous avez infligé une lourde défaite à vos rivaux. C'est une belle journée, hein, tout simplement, c'est une belle journée. Et superbe victoire 3-0, êtes-vous satisfait de votre équipe? On est tourné vers le prochain match en Ligue des Champions. Et du coup, on se retrouve juste avant le match, tout simplement, les gars, pour faire tourner un petit peu l'effectif. Bon, les gars, voilà le groupe. C'est bien le Leipzig, le Sporting CP et Rosenborg qui sera dans ce groupe en Ligue des Champions. On va vite fait aller voir les autres groupes, il peut y avoir des groupes intéressants. On a le groupe A avec Dortmund, Galatasaray, Villarreal et le Meetingland. Ok, donc Dortmund, Villarreal passe sans problème. L'Inter, le Bayern, le reste pas la peine de les dire, on sait c'est qui passe. Liverpool, Naples, le Shakhtar Donetsk, ça peut se jouer entre Naples et le Shakhtar Donetsk. Madrid, Milan, Benfica, Moscou, très bon groupe, franchement bon groupe, qui peut avoir des surprises. Juventus, Arsenal, Moscou, Basel, on connaît. Ça, c'est un beau groupe. Le Barça, le Borussia, Mönchengladbach et Lyon, très intéressant. Les Wolves, l'Atlético Madrid, Anderlecht et le Paris Saint-Germain. Alors ça, c'est le groupe de la mort. Ça, c'est le groupe de la mort, le groupe H, c'est le groupe de la mort. Le groupe est juste très très beau. Paris, les Wolves, rien à dire, Anderlecht ici. Franchement, c'est un beau groupe. On met bien sur l'équipe B. On a Mahrez, Gonzalez, Pedro, Torres, Aouar, Foden, Mendy, Stone, Ake et Walker. L'équipe est bonne comme ça en face. Je connais personne. Et du coup, on est parti comme ça pour le second match de cette vidéo. Let's go les gars, c'est parti pour le premier match en Ligue des Champions de cette deuxième saison avec Manchester City. J'ai failli bégayer à dire Manchester City, c'est quand même chaud. Du coup, je pense que bon...
Tout le monde sait déjà le résultat, ça va être 3, voire 4-0, même voire peut-être plus, on verra bien ce que ça va donner. Attention à pas sous-coter l'équipe adverse, parce que bon, on a l'équipe B déjà. Donc bon, on reste quand même devant sur le papier, mais bon. Est-ce que en match ça va être la même chose? Je sais pas. Pour l'instant, on n'arrive pas à prendre la balle, hein. Ils jouent la possession en tout cas. En tout cas, ils jouent la possession. Ils sont assez techniques quand ils ont la balle au pied. Et on va peut-être déjà se prendre le premier but ou du moins la première occasion. Ben, jouer Hakimi le dégagement. Allez, allez Torres, tu vas la jouer gentiment pour Nicolas Gonzalez qui va la jouer vers Riyad Mahrez. Mahrez qui est l'homme fort un petit peu de cette équipe B avec Torres et Gonzalez. On verra bien en tout cas ce que ça va donner. En tout cas, Mahrez pour l'instant qui arrive à conserver la balle au niveau de l'aile. Il va la jouer en retrait pour Walker. Hop là, ça c'est bien, très très bien. Allez Pedro, allez Pedro. La frappe de Pedro. Et Mahrez. Mahrez, la frappe de Riyad Mahrez. Oh là 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 là. Le 1-0. Le but de Riyad Mahrez à la 14e minute, les gars, contre Rosenborg. C'est très 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 bien joué. On revoit le ralenti. Hop là, la passe au niveau de la surface et la frappe pied droit juste magnifique de Riyad Mahrez. Magnifique frappe, il y a clairement rien à dire sur cette frappe de Mahrez qui nous permet du coup de gagner 1-0 contre Rosenborg. Et Mahrez pour Gonzalez. Gonzalez pour João Pedro, João Pedro, João Pedro, la frappe de Pedro. Oh là 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 là, si elle a tenté. Et ça c'est bien, ça c'est très bien, allez Pedro. Allez Pedro, ça va au niveau de la vitesse, ça passe. La petite PES vers Gonzalez. Et il la met, bah oui, il la met. Mais quelle question s'il la mettait. Bah oui, qu'il la met Gonzalez pour le 2-0, les gars. Le 2-0 contre Rosenborg. Le break qui est fait. L'équipe B qui a un petit peu du mal quand même contre Rosenborg. Mais là, ça va. Le duo Pedro-Gonzalez qui vient marquer leur petit but. Et c'est parfait. Pour Foden. Foden, ça c'est bien. Oh là là, les Gonzalez. Le doublé. Oui, le doublé du crack argentin. Il a marqué contre Liverpool. Il marque désormais un doublé contre Rosenborg et contre Sheffield. Est-ce qu'il va jouer et va-t-il marquer un doublé ou un triplé ou juste un but ou pas du tout? On verra bien. Mais en tout cas, il vient régaler les gars juste avant la mi-temps. Voilà les gars, mi-temps contre Rosenborg. C'est bien sûr le 3-0. On domine 6 tirs. 5 cadrés, 3 buts, 42 possessions. On est largement supérieur, les gars. On est largement supérieur. Et puis voilà, on n'est pas non plus ultra offensif. Mais, c'est déjà pas mal. On va pas faire de changement. On va laisser l'équipe comme ça. Comme ça, l'équipe, elle sera bel et bien en forme pour le prochain match de championnat. On va laisser l'équipe comme ça. Mahrez, côté droit, qui fait un taf incroyable. Franchement, il est très très bon malgré le moins 1 qu'il prend. Et du coup, let's go pour la seconde période contre Rosenborg. Allez, Ferran Torres, l'accélération de Torres, allez Torres, très belle accélération en tout cas, tu centres du coup second poteau vers Gonzalez, le triplé contre Rosenborg du crack argentin qui vient tout simplement montrer son niveau de jeu actuel et qui fait passer sûrement un petit message au niveau de Gabriel Jesus en mode comme toi frérot, t'es peut-être titulaire actuellement avec l'équipe 1, mais regarde ce qui arrive derrière en équipe B. Le triplé de Gonzalez en Ligue des Champions. Très 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 bien joué les gars. Très 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 bien joué de la part de Gonzalez qui est juste incroyable en termes de finition et de placement offensif. Oh là là, genre il est passé et on prend un but. Oh là 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 là. C'est pas beau. C'est clairement pas beau. Il n'y a rien à dire. Bon, c'est le 4-1. Au moins, ils sauvent leur honneur. Ils mettent un but. Mais c'est pas beau, hein. On se jette avec le défenseur. Il fait un double 3-6 sur lui-même. Et au final, on prend le but par Elmersen. Franchement, c'est pas mérité. C'est pas beau. Fin du match, les gars. Victoire 4 buts à 1 contre Rosenborg. Mais pour moi, c'est un 4-0 parce que c'est pas mérité. Lyon qui fait match nul contre le Borussia Anderlecht. Qui a fait match nul contre Paris. Incroyable. Incroyable. Paris, oubliez pas hein, les gars, Paris avait été éliminé de la Ligue des Champions, si je dis pas de bêtises, avait été en Europa League la saison passée, donc là du côté parisien, c'est un petit peu en sueur. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Bonjour coach, j'apprécie vraiment que vous m'ayez écouté et que vous me donniez du temps de jeu. Bah continue comme ça mon pote. Continue, t'es juste incroyable aujourd'hui, tu nous as fait deux matchs
très 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 beau. Ils étaient étincelants, si on peut, on peut se permettre de dire qu'ils étaient étincelants. Du coup, on est deuxième du championnat devant Everton et Dzeko avec Liverpool et Chelsea. Et devant, on a les Wolves qui ont 2 points de retard. Bah ouais, les gars, 2 points de retard. Non, 2 points d'avance et 2 points de retard du coup pour nous, vu qu'on avait fait un match nul contre Arsenal. Et du coup, on part pour ce dernier match de la vidéo contre Sheffield. Allez l'équipe, c'est parti pour ce dernier match de la vidéo contre Sheffield. On n'a pas le droit à la défaite, hein. Sympa la moto qui passe. Voilà, comme d'habitude, la moto, faut qu'elle passe quand on est en vidéo. Peu importe l'heure où je tourne une vidéo, faut qu'il y ait une moto qui passe. Bienvenue chez moi. Du coup, ouais, du coup, je disais, vous connaissez l'objectif, ne pas perdre, c'est l'objectif. Et tout simplement, De Bruyne qui va venir ouvrir peut-être le score. Non, ça va être arrêté par le gardien. Je pense que ça aurait été trop beau si la balle rentrait, tout simplement. Je pense que ça aurait été trop beau. Allez, Dybala, la feinte de frappe, hop là. Ça, c'est bien, hop là. La porte, tu frappes. Ça aurait été original de la porte marquée. Neymar! Elle a failli, les gars, elle a failli rentrer. Hein. La profondeur vers Neymar, ça c'est très bien. Neymar le centre vers Jesus. Oh là là, mais genre il arrête le gardien, incroyable. Allez, Lodi. Lodi, Jesus. Jesus, Sterling, ça c'est but ça. Merci, Raheem Sterling. Le 1-0 du coup, les gars, contre Sheffield. Il était temps après la frappe de De Bruyne au-dessus, la frappe à côté de Neymar, l'arrêt du gardien sur la frappe de Gabriel Jesus. Et ben là, on a Raheem Sterling qui vient planter le 1-0 et qui vient marquer son troisième but en championnat. Bon, l'équipe, mi-temps 1-0 contre Sheffield. On mérite encore une fois de marquer plus de buts, mais encore une fois, les gardiens nous font des arrêts incroyables ou alors tout simplement on tire largement au-dessus. Comme avec Kevin De Bruyne, on va faire entrer bien sûr Eden Hazard, mais cette fois-ci à la place de Gabriel Jesus, et on va mettre Sterling buteur. On verra bien ce que ça va donner, on tente, pourquoi pas. Bon, il prend moins 3 de général, c'est pas grave, on verra bien ce que ça donne. Et puis, let's go. Ah non, bah non, bah non, regardez les gars, mais je suis malin, mais je suis malin. On fait ça, et on fait ça. Voilà, il dit bah là on te met en tant qu'AT. Voilà, incroyable, c'est go. C'est good, c'est go, c'est let's go. C'est parti, seconde période les gars contre Sheffield. Sheffield, non, 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 au black! Il m'a fait quoi au black? Mais non! Mais non! Moi je vois un ralenti là, il nous a fait quoi au black? Mais non, mais pourquoi? Mais au black! Mais au black! On aurait pu gagner à 0! Et du coup, ça va être le 1-1! Oh là là, la catastrophe, les gars! La catastrophe, il faut absolument marquer! Allez les gars, Sterling, faut pousser. Lodi, c'est très bien joué, Lodi. Très bien joué, Lodi. La passe en retrait, mais oui, Raheem Sterling pour le 2 buts à 1. Sterling qui a fait la passe à Lodi. Lodi qui rentre dans la surface. La passe en retrait vers Raheem Sterling qui a couru directement vers la surface. On voit ça, il est tout seul, hein. Il fait sa course tout seul jusqu'au point de pénalty. Magnifique frappe de Raheem Sterling, les gars. Et du coup, c'est le 2 buts à 1 contre Sheffield. Sterling qui prend les rênes de l'équipe dans ce match. Et Cancelo, Rodri, De Bruyne. De Bruyne, second poteau, Dybala, magnifique, rien à dire, rien à dire, rien à dire, rien à dire. Le 3 buts à 1, le but de Dybala qui nous permet de faire le break en cette fin de match et très certainement gagner le match, à moins d'une remontada incroyable de Sheffield. Mais il y a très peu de chances de les voir marquer 2 buts de suite, peut-être encore un, mais pas 2. Et en tout cas, c'est très bien joué la reprise de volée ici de Dybala qui vient marquer son 7e but en Première Ligue. Bon les boys, fin de ce match, victoire, 3 buts à 1, un but, bon, sur penalty, on va pas trop juger parce que le penalty est mérité, ou Black qui plonge, pas sur la balle mais sur les pieds de l'attaquant, et Liverpool qui a perdu 2-0 les gars contre Fulham, incroyable, incroyable, Liverpool qui perd contre Fulham 2-0. Incroyable, mais c'est juste incroyable. Du coup les gars, bah, c'est la fin de cet épisode. Donc si l'épisode vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si cela n'est pas encore fait. J'espère que ça s'est pas trop entendu, que j'étais malade pour la vidéo. Espérant que ça reste un petit peu comme d'habitude. Et sur ce, peace l'équipe!